Alors, ce soir, je viens avec une petite vidéo pour vous présenter une petite nouveauté qui est ceci. Voilà, donc c'est Bourjois qui a sorti ça, apparemment c'est assez nouveau. Et c'est un gloss embellisseur de sourire. Voilà, donc je vous lis, il y a la gloss et gel effet dent blanche. Donc alors apparemment... il y a des petites nacres un peu bleutées dans le premier gel, voilà, avec des agents blanchissants. Et quand vous mettez le gloss avec, ça fait un effet sourire hollywoodien, voilà, de dents blanches. Donc, je vais l'essayer avec vous parce que comme vous voyez, il est tout neuf. Je l'ai acheté cet après-midi. Donc voilà, donc hop, je l'ouvre. Donc, petit gloss qui se... fait en deux parties. Donc vous avez la partie teintée, la partie en haut blanche qui est la partie nacre, enfin la partie blanchisseuse apparemment. Moi je l'ai pris dans un ton de neutre, vous voyez, hop, assez beige, un peu marron foncé, enfin marron café. Voilà, donc effectivement, comme vous voyez, c'est Bourjois qui fait ça. Voilà, c'est Bourjois qui fait ceci. Il y a donc en teinte un rose très pâle, un vraiment nude. Donc celui-là, qui est la référence, attendez que j'essaye de vous la retrouver sur la petite boîte, qui est la référence 06. Voilà, 06, brun showbiz, tout un programme. Donc, un framboise, un rose très pâle, pratiquement rose bébé. Donc celui-là, brun showbiz, un nude, carrément nude, et un transparent. Le transparent doit être bien effet glossy, donc ça doit être bien sympathique. Comment ça fonctionne ? Alors, moi j'avais cru avant de lire la notice que vous mettiez la surface blanche et que, comme par exemple les rouges à lèvres très rouges mais qui ont des pigments bleus dedans, bleutés, voilà, ça faisait un rouge assez froid et que du coup ça faisait ressortir les dents blanches. Or, pas du tout, je vous lis exactement comment il faut s'en servir. Petit 1, donc... Hop. Mais si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Petit 1, donc cette partie-là. Hein, donc gloss très transparent. Et petit 2, on met celle-là. Logique. Et je vais vous lire comment donc on procède. Petit 1, la partie blanche. Gloss embellisseur de sourire. Gel effet dents blanches. Application sur les dents. Alors en fait, c'est un agent blanchisseur qui doit être à mon avis très léger, mais qui doit juste apporter une petite touche de blanc aux dents. Donc voilà, application sur les dents, sublime la blancheur des dents, sensation haleine fraîche, formule douce enrichie en agent blanchissant, gel respectueux des dents. Donc en fait, ce petit truc blanc, on le met directement là. Voilà. Et après, hop, on passe au gloss. Gloss lèvres, brillance éclatante. Application sur les lèvres. Pigment white focus. Contraste, effet dent blanche. Donc, je vais essayer avec vous pour voir ce que ça donne. J'ai toujours ma super grande glace, n'est-ce pas? Celle-là, je l'ai trouvée dans un bazar et chiffon qui est à côté de mon boulot. Et j'en suis juste, mais super satisfaite, quoi. Elle est vraiment immense pour se maquiller, c'est génial. Donc, démonstration. Donc, je vous montre la couleur de mes dents. Voilà. Super glamour à la caméra, ça. Donc, la couleur de mes dents. Bon, elles sont pas blanches, mais enfin, elles sont pas très jaunes non plus. Voilà. Donc, hop. Je décapsule, je mets donc la petite partie blanche
sur mes petites dents. Voilà. Alors, j'ai hâte de... Je vais peut-être en remettre un peu parce que... Voilà. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut attendre que ça sèche. Je ne sais pas du tout. Effectivement, quand on ferme la bouche, c'est un petit goût mentholé. Et ça fait un peu effet fraîcheur. Mais enfin, pas non plus... pas non plus génialissime. Mais par contre, effectivement, le petit goût mentholé est bien là. Et après, on met la partie gloss. Donc, rien que ça. Voilà. Voilà. Donc, tadaaa! Est-ce qu'on voit une différence? Donc, le gloss, hein, très nude, très beige, hein, voilà, moi j'aime bien. J'en avais pas de cette couleur-là. Je trouve que c'est quand même pas trop pâle comparé à ma carnation. Donc, je pense que c'est pas mal. Niveau dents, voilà, qu'est-ce que j'en pensais? Moi, perso... En regardant dans la glace, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence. Voilà. Je trouve que c'est pas flagrant. Bon, en même temps, ils n'ont pas mis que c'était un blanchisseur de dents qui allait nous faire gagner 3 teintes de dents dans la blancheur. Hein. C'est clair. Mais bon. Donc je vous dirai à force de l'utiliser à la lumière du jour pour voir vraiment si je vois une différence. Là actuellement, je vous avoue, je n'ai pas vu grand chose. Dites-moi si vous, de votre côté, il vous paraît effectivement que vous avez vu une petite différence sur mes dents. Si vous l'utilisez ou si vous allez l'acheter, voilà, regardez aussi un peu. Alors moi je l'ai acheté... à prise unique, voilà, à prise unique, alors, ça coûte quand même, ceci dit, 14,99€, voilà, donc, 14,99€, si effectivement, vraiment, on voit genre dents ultra bright, effet blanchissant, super génial, je pense que ça vaut le coup, 14,99€, si c'est juste pour avoir les dents qui sentent le menthol, et un petit gloss de couleur. Je suis pas très sûre du résultat sur ce coup-là. Voilà. Donc, je voulais vous faire partager ma petite dernière trouvaille. Bon, qui pour moi, pour l'instant, si vraiment je devais la classer dans un flop ou dans un top du mois de février, pour l'instant, ce serait un flop quand même. Hein. Voilà. Un flop sur le côté blanchisseur, parce que, franchement... Je vois pas trop de différence. Voilà. Donc, dites-moi si vous l'utilisez. Donc, je vous le rappelle. C'est le gloss embellisseur de sourire de chez Bourjois. Voilà, Bourjois. Embellisseur de sourire. Moi, je l'ai essayé dans la teinte 06, le brun showbiz. Voilà. Donc, bah écoutez les filles, je vous fais un gros bisou. Je vais vous faire une autre petite vidéo pour vous montrer le résultat de mes ongles une fois que j'ai déposé le gel que j'avais mis dessus. Vous savez, la petite vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !